Bonne nuit pour toutes. Le monde ne devra rester pas silencieux face à ce qui s'est passé il y a des semaines à Gaza. Même l'élite catalane, Carles Puigdemont, a réagi aux sécessions israéliennes contre l'habitante de Gaza. Il a dit ceci. Les 55 morts sont impossibles à justifier. Toute ma solidarité avec les familles et leurs amis. La communauté internationale doit de tout organe promouvoir le dialogue entre les dirigeants israéliens et palestiniens. Les leaders de la junte palestinienne et les leaders de la junte israélienne. Les vols et la violence ne sont pas jamais la solution. Carles Puigdemont a dit ce qu'il a dit devra être, à mon avis, suivi pour les autres dirigeants mondiaux. Pourquoi, si Israël souhaite la paix pour le Moyen-Orient et aussi pour être reconnu en tant qu'État dans le monde, il devra cesser immédiatement les détruire un bombardement des jeunes innocents palestiniens. Et si Israël ne doit pas ces choses, il ne va pas, il n'est pas, ce n'est pas possible la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Toi, 55 personne pour célébrer le 70e anniversaire de la création de l'État juif n'est pas avant moyen d'avancer, c'est vrai, mais qui souhaitant d'avoir de la vie, ça a le leader des tiens palestiniens, et la vie, le leader des jeunes israéliens, a une paix qui semblait impossible à atteindre en ce moment à cause de l'assassin du génocide d'Israël contre les civils, les jeunes civils à Gaza. Je suis à la République dominicaine et de la République dominicaine, j'ai réclamé la paix pour les Moyen-Orient, pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Merci beaucoup. Bonne nuit pour tous.